Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un deck fun, un deck pas très costaud, mais un deck très marrant à jouer. Bon, j'alterne sur ma chaîne, j'essaye de faire des decks méta, des decks fun. Aujourd'hui, c'est un deck que, vraiment, si vous voulez monter en ladder, ne jouez pas ce deck. Mais par contre, si vous voulez avoir beaucoup d'amusement, ce deck est peut-être fait pour vous. Qu'est-ce que c'est que ce deck? C'est un deck qui est basé sur le messager. Sur le messager, qu'est-ce que c'est le messager? C'est le petit chien. C'est ce petit chien-là. Il est tout beau, il est tout mignon, mais sauf que c'est une carte céleste, donc une carte qu'on n'a pas dans notre collection, et il faut le créer pour pouvoir l'avoir. Et alors du coup, je me suis dit, avec les nouvelles cartes qui sont sorties, est-ce qu'on peut pas faire un deck basé sur ce chien? Et c'est ce que j'ai essayé de faire, et c'est assez cool. Des fois, on arrive à faire des gros chiens. Pas des petits bulldogs comme ça, mais des sacrés chiens qui défoncent sa mère. Alors, qu'est-ce que c'est que le deck? C'est très simple. On a des stèles du messager, pour envoyer des messagers dans notre deck, histoire d'en avoir un peu plus. On a de quoi conjurer des cartes qui coûtent 3 ou moins, histoire d'avoir des chiens, bien entendu, et messagers. On a l'artiste cosmique, on a la Zoé, on a les cartes célestes super cool pour conjurer. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On a l'augure de la montagne également qui conjure une carte, mais en plus qui vont réduire le coût de nos chiens. Et le but, c'est si on arrive à en avoir deux, nos chiens coûtent 0 tout simplement. Et donc on peut jouer plein de chiens à chaque tour, piocher des cartes, etc. On a les crocs qui vont également pouvoir conjurer des chiens, donc c'est très très cool. Et à côté de ça, on va avoir de quoi booster nos chiens. Parce que bon, si c'est des 2-2, c'est pas drôle. Mais on a les os stellaires. Si jamais on a un chien dans la main ou sur le board, eh ben on va octroyer +1/+1 à toutes nos cartes célestes, où qu'elles soient. C'est-à-dire, même si on invoque, on conjure après, elles auront +1/+1. Donc on va commencer à booster nos chiens. Comme ça va devenir des 3-3, des 4-4, des 5-5. Et on a également l'héritage des sublimés. Octroyer +2/+2 à un allié et à toutes ses copies, où qu'elles soient. Donc là, si vous arrivez à passer ça sur un de vos chiens, et ben tous vos chiens vont avoir +2/+2. Et donc à la fin, vous arrivez à avoir des chiens vraiment, vraiment immenses, vraiment balèzes. Et ça, c'est très très cool. À côté de ça, on a le temple pour essayer d'avoir plus de mana. Et pourquoi pas de booster encore un peu plus nos cartes. On a les oracles stellaires parce qu'on a énormément de sorts. Donc on va pouvoir booster nos cartes qu'on va piocher derrière. Et pourquoi pas avoir directement un chien très très gros. Et à côté de ça, finalement, on a les formations d'étoiles, 2 pour soigner, rester en vie suffisamment longtemps, conjurer des cartes qui auront été boostées grâce aux os stellaires. Donc ça peut être très cool pour finir la partie, pourquoi pas. Et on a Aurélion Sol, parce que si on arrive à tenir jusqu'au bout, jusqu'au tour 10, nos chiens seront souvent 4-4, 5-5, voire 6-6. Donc si on a des chiens 5-5 sur le board, on va facilement faire évoluer Aurélion Sol. On va créer du coup des cartes célestes qui seront toutes boostées et ça va tout simplement dégénérer. Voilà le principe du deck. Souvent, on arrive à faire évoluer Zoé aussi dans ce deck. C'est ça qui est fort parce qu'on a plein de petites cartes. Voilà, c'est un principe tout con, mais qui me fait beaucoup rire d'avoir des gros chiens sur le board. Alors, j'espère que ça va vous faire rire aussi. Et puis, je vous laisse tout de suite regarder ce que ça donne sur le ladder. Alors, on est contre Kindred avec Shurima. Kindred Shurima, on va dégager ça. Est-ce qu'on garde le temple? Non. Regardez l'oracle stellaire pour booster un peu nos cartes. Ok, bon, c'est revenu. Très bien, on va mettre un bloqueur pour pas mourir. Allez. On n'a pas notre carte qui nous intéresse ici. On va quand même la mettre. Je rappelle, on veut le messager. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le messager, bien entendu, dans nos cartes conjuration. Sinon, ça ne nous intéresse pas. On va mettre ça. Si jamais il fait un boucher, on pourra aller chercher le boucher. Ok. Ok, on a une carte conjurée. On va passer pour l'instant. On va bloquer là. On va garder le mana. Très bien. C'est parti, on conjure. Messager, très bien. Maintenant, faut bloquer, faut piocher le reste de la combo maintenant qu'on a le messager. Ouais, il va sûrement le tuer avec gardien le prochain tour. C'est pas grave. On pourra soigner ça. C'est le tour de Kindred. C'est pas Kindred. Très bien. À piocher. Ok. Alors, on va bloquer ça là. On va bloquer ça là.
va bloquer ça là. Ok. On va se soigner un peu. On va conjurer. C'est pas ce qu'on veut. On va quand même prendre ça pour réduire au silence une des cartes. On a un chien. On va passer pour l'instant. On va jouer le site. On aurait pu jouer ça pour jouer les dogos gratuits, mais... Ouais. Ok. Ouais. Alors est-ce qu'on essaye de silence ça? Faut pas qu'il ait aperçu. On va essayer. S'il a aperçu, c'est la merde. Ouais, ça aussi c'est la merde. Je pense pas qu'il jouait ça. Très bien. On va passer. Ok. Qu'on va réussir. Bon, il a perdu un immortel au passage. Ça, ça, ça. Là, je prends un max. J'aurais bien gardé le dogo. Ok. Jouer ça quand même. On a raté l'allégeance. Chier. C'est pas grave, on va mettre ça. Ok, ça me va. Détruit un site, on a un autre. Très bien. Ah. On essaye de passer la combo. Allez. Allez, on essaye. Est-ce qu'il y a de quoi me le tuer? Mon pauvre petit chien. Ouais, il peut empêcher la combo, dommage. Il y avait un site de refus. On va quand même piocher. Ok, c'est du soin. On va passer pour l'instant. On a de quoi bloquer un peu. Un autre machin. C'est chiant. Un autre chien. Qui coûte 0 du coup. Heureusement, on va être obligé de sacrifier une carte. Ok. Ok. On est à 3. Je veux un autre dogo. On va retenter le combo. Ok, il a encore de quoi gérer notre combo. Très bien. Très bien, très bien. On va faire ça. Ok. Ça va commencer à être compliqué, hein, cette histoire. Après, il n'y a qu'une carte. Hein. Et nous, on peut jouer ça. Hein. Prendre ça. Hein. On est à 3 PV, faut juste pas qu'on meure sur une atrocité random. Ouais, il a prévu une ruine ou un truc. Vers les étoiles.
Heureusement, je crois qu'il a prévu une ruine. Ça sent la ruine. Si la ruine, il a gagné ici. C'est pas une ruine, très bien. Ok. À présent, ils feront attention. Ok. Je pourrais faire ça, c'est pas terrible. Après, je peux bloquer ça et ça. Si tenter ça. Ok. Tu es un échec. Très bien. Ok, ok. Et c'est gagné. Ça passe. Yes. Bon, on n'a pas fait énormément de dogo. Il nous a contré notre combo, mais ça passe quand même. Et ça, ça fait plaisir. Alors, on est contre un deck sans champion. On va garder la Zoé, bien sûr. Ça, ça peut être pas mal si on arrive à piocher notre petit dogo. Très bien. Est-ce qu'il a un boucher? Est-ce que s'il a un boucher, est-ce qu'il le fait là-dessus? Non. On va aller chercher des cartes à conjurer. Ok. Ouais. On va poser ça, ça nous fera un bloqueur, puis ça nous permettra de commencer à booster au cas où. Voilà, le boucher, bien entendu. Combo qu'ils ont toujours en main, hein. C'est une classique. On a le nonos. On va bloquer là pour pas prendre trop. On va juste faire ça avant. Dommage. On va aller chercher ça du coup. Ok. Est-ce qu'on peut avoir le chien s'il vous plaît? Le chien. Le chien. Yes. Ok, on a le chien. On va pouvoir commencer à s'amuser un peu. Ici. Juste attaquer. J'aurais pu passer en fait. Il y a 7 mains de mana. J'aurais dû passer ici. Bon, c'est pas grave. C'est une erreur de ma part. J'aurais dû passer 100%. 100% du temps ici. Ok. Très bien. Ça nous gêne pas trop, je crois. Alors, c'est sûrement un ceux qui endure. Hein. Je pense, son deck. Plus, si on pouvait piocher notre Hush, ça serait top. Ouais. J'aurais vraiment dû passer. Ok. Alors. On va bien jouer mes temples, mais. Ouais. On va prendre ça pour plus tard. Donc il va nous bouffer notre Zoé. Il va nous bouffer notre 3-2. Ouais. On va bloquer avec ça. On va bloquer avec ça. On va faire un nonos. Voilà. Ok. On va prendre que 3. On soigne de 3. Donc c'est très bien. Ok. C'est quoi ce bruit? Mm-hmm. Ça m'embête de pas pouvoir jouer ça. Là. Ah ouais, mais non, je peux pas. Hein. Un autre chien.
tous arriver tôt ou tard. Ok. Ok. Commence à avoir des chiens. On commence à avoir des chiens. Faut juste faire gaffe aux ceux qui endurent. Aïe aïe aïe. Il va nous chercher un ceux qui endurent. On n'a pas de quoi le silence. On peut essayer de le stun au pire. Pour ce tour du moins. Ok, ça ça va. Ok. Yep. Ça, ça va nous aider, je pense. Je pense pas qu'on jouera le deuxième. On va faire ça. Un autre chien. Ok. Alors besoin d'aller chercher cette carte là. Par contre là on n'est pas bien. Hein. Être obligé de laisser les deux autres en vie. Parce que ça fait moins de dégâts. Ok. Ouais. Ok. Très bien, on va être obligé d'aller tuer cette farceuse. Fin du tour, on va prendre deux de plus. Ouais. Oh. Même aller chercher celle-là en fait. Ouais. On va tuer ça. On est à deux. On va avoir besoin de se soigner. Oh, come on! Ça y est, ça commence à BM. C'est pas ce qu'il nous faut. C'est bien, mais c'est pas ce qu'il nous faut face à ça. Ok. On a des gros chiens déjà. Mais on est à 5. On est à 5 PV. Silence, ça serait bien là. Hein. Silence avant qu'il attaque pour silence ça. Ça serait top. La nuit est sombre, hein ? Ouais. Petit silence. Ah! C'est pas un silence. Ok. 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 On a un silence. Un silence qu'on va devoir utiliser là-dessus, malheureusement. Shit. Ok. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Enlever lui. Ça nous permet d'aller chercher ces deux-là. C'est chaud, hein.
En fait, faut que je le tue sur ce tour. Hein. Si je le tue pas sur ce tour, je suis mort, non? Ouais. Ouais. Parce qu'il a un autre ce qui endure dans la main. Qui va être très gros. Qui va être très gros. J'aurais peut-être dû attaquer avec la 3-2. Il joue pas. Il joue pas. Ok. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Vous voilà. Ouais. On crée un silence ici. C'est pas un silence, malheureusement. Ce n'est pas un silence, malheureusement. Oh, il attaque. Mais pourquoi il joue pas son ce qui endure? C'est nul. Il me tue ce qui endure one shot. Prends des risques. Moi, ça me va. Hein. Et d'accord qu'il y a encore un ce qui endure en main. Parce qu'il a joué l'éphémère. Ok. Ok, on est en vie. Je sais pas comment, mais on est en vie. Et on a un Aurélion level up. On est plutôt bien. Bon, il a un ce qui endure plus atrocité probablement. Ils ont les yeux à piocher. Balade, mon garçon. Ouais. Ok. Bon là il peut pas faire ce qui endure atrocité, ça veut dire. Ok. C'est une 20-13. Bouclier anti-sort. Ok. Pourquoi ça met autant de temps cette animation? D'habitude ça va plus vite, non? Ok. On s'amuse, hein. J'espère qu'il va pas le prendre mal. Ouais. Ok. Elle est presque aussi vieille que moi. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on fait ça en plus? Aïe aïe aïe, c'est du BM over abusé. Ah là là, bon, on a quand même un chien 12-12 au final. Ouais, atrocité. Alors combien est-ce qu'on passe de dégâts là-dessus? Ah non, pas drôle. Ok. Hâte de tricher.
Ok. Boum! Le petit chien 14-14. Moins 104. Bam! 104 PV dans la tête. Aïe aïe aïe. C'est tellement débile. C'est tellement débile ce deck. Alors, on est contre Garen Jinx. Garen Jinx, ça va aller vite dans l'agression, ça. Je vais garder cette main. Si j'arrive à avoir un chien, ça pourrait nous faire des bloqueurs assez intéressants assez vite. Il faut avoir un chien là-dessus, quoi, mais bon. Et il va jouer un pisteur. Non, c'est pas un pisteur, ça va. Ok, on a une carte céleste super cool. Ça, c'est bien. Ok. Est-ce que je lui laisse me voler un sort? Je pense que oui. Je pense que je lui laisse me voler un sort ici. Ça aura moins de value sur le long terme, je pense, que ce que je vais faire moi. Un petit chien? Yes, un petit chien. On va aller chercher une autre carte céleste. Sauf s'il a un tir mystique ou une connerie. Ok. Carte céleste numéro 2. Let's go. Ce coup-là, par contre, on va bloquer hein, s'il attaque. La victoire est assurée. Ça, c'est chiant. Faire ça quand même. Ok. Malheureusement, on va laisser passer 4 là. Ça, ça va rapidement devenir ingérable. Ok. Là, j'aurais pas dû le jouer en fait. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Il y a Rennes. On va faire ça. On a un silence. Elle est à 6. On peut jouer Sharp Sight. Je pense pas qu'on va attaquer ici. Ok. Fin de tour. Fin de tour. Ok. Envoyez-moi un truc sympa. Ils s'occupent sans aucun doute des chiens après leur mort. Ok, on a un autre chien. On va stun ça. Ok. La Zoé à 8. Ma première vraie mission. Yep. Ok. Soumets-toi ou péris. Alors. Je peux faire silence, mais du coup je peux pas faire le loss. Je peux faire loss, mais du coup je peux pas faire. C'est pas terrible. Hein. Ok, on va bloquer comme ça. Combat singulier.
Ah, nous manquait un. Ça change rien, hein. On pourra pas avoir une carte en instantané. Si, on peut avoir le sort qui coûte 0. Réduit et pris à 0. Ouais. Ok. Ok. La Zoé évolue. Très bien, on va jouer un Dogo en plus. Ok, ça c'est pas mal. Ça nous donne insaisissable à tout. Ouf. Est-ce qu'on va réussir à passer ça? On va pas qu'il y ait de combat singulier. Essayer. On va essayer. Yes, ça passe. Les dogos sont costauds. Ouais, vas-y, fais-toi plaise. On a 17. Ok. Ah, il nous a volé ça comme truc, il doit être dégoûté. Ça marche pas du tout dans son deck. Ça marche dans le nôtre, mais pas dans le sien. Ça, pour avoir du vol de vie surtout. Ok. Ouais. Mais juste vol de vie à tout le monde ici. Les sœurs étaient jadis inséparables. Ok, il attaque quand même. Ouais, ok. On va accepter ça. Ok, résistance à tout. On va silence ça, ça permet de tuer ça plus ça. Il n'y a que lui qui meurt pas au final. Ça me va. On se débarrasse du Garen avant qu'il évolue. Et on est à 18. Et on va passer. Et je pense que notre adversaire a perdu. Même s'il se rallie, il est mort. Il peut faire évoluer cette Jinx. Mais on est à 18 points de vie, il est à 1 point de vie. Ouais. Je vais soigner ça du coup. Ok. Comme ça on va repasser à 20. Et c'est gagné. Ça passe. Allez les chiens, on défonce tout. Et voilà, c'était le deck Dogo, le deck Le Messager boosté. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Et pourquoi pas lâcher un petit commentaire et me dire quel deck vous aimeriez voir. En tout cas, on est bientôt à 1000 abonnés, je le répète à chaque fois, mais on s'en rapproche. Donc je compte sur vous pour me faire passer cette barre fatidique des 1000 abonnés. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.